vient de parcourir plus de 26 000 km en courant. Arrivé de Serge Girard ce dimanche 17 octobre à l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance de Paris. Pendant 365 jours, par tous les temps, Serge Girard a traversé 25 pays d'Europe sans un seul jour de repos. Je suis heureux, bien sûr, je suis heureux. Il y a ce double sentiment de satisfaction, bien sûr. On a fait avec l'équipe et les partenaires ce que nous avions annoncé, donc plus de 25 000 km, on est au-delà. Et puis ce sentiment de un petit peu quand même amer que voilà, ça se termine. La fatigue était là, l'usure mécanique, j'allais dire, mais heureusement le mental a toujours été là. Des moments de doute, oui, on en a toujours un petit peu, mais l'envie d'abandonner, non, parce que j'avais envie avec l'équipe d'aller au bout de ce challenge. Mes enfants sont venus sur le parcours pour m'aider, mes fils, mais mes parents, bien sûr, qui sont des personnes âgées, n'ont pas pu venir, et ça, c'était, voilà, c'était, j'avais envie de les revoir et je les ai revus tout à l'heure. Lisbonne, Madrid, Rome, Athènes ou bien encore Sofia ou Varsovie, ce sénomarin de 56 ans n'a pas ménagé ses efforts. En un an, il a couru l'équivalent de 630 marathons, c'est un record du monde. J'ai essayé de trouver un continent qui avait autant de richesses culturelles que chez nous. Et il n'y en a pas un, pensez bien à des villes comme Athènes, Rome, Paris, Madrid, je vais en oublier plein. Aucun continent n'a cette richesse. Franchement, on peut être fier d'être européen et franchement, on a vraiment un beau continent. Il y a un an, on était en train de courir dans Paris pour sortir de Paris. Et je me dis que de chemin. Et voilà, c'est surtout cette image-là que j'avais. Franchement, je suis un être tout à fait ordinaire, passionné certes, mais voilà, je n'ai pas des prédispositions pour faire ça. J'ai eu envie de le faire. C'est la grande raison, c'est l'envie de le faire. Mais pour réussir à quelque chose, je crois qu'il faut aimer par-dessus tout ce qu'on entreprend. Bientôt, Serge Girard rejoindra sa Normandie pour monter un documentaire, puis participer à des conférences à travers le monde. Son prochain défi, il reste secret pour l'instant.